Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous aussi pour le 11e épisode de Pokémon version jaune. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui c'est un épisode shopping et bottage de cul de la Team Rocket à Cella de Paul. Donc c'est parti, l'équipe n'a pas changé. Onyx, non, tunnel, non, voilà. Allo Vince, c'est pas le moment de faire ça. Moi je fais ça dans maman à Bourg-Palette. Bref, Onyx niveau 27, frénésie, jet de pierre, plaquage tunnel. Pikachu niveau 33. Éclair ultime, point tonnerre, cage éclair. Et Carabaf. Baf, baf, baf. Qui est lui niveau 26. Faudra qu'on le remette un peu à niveau. Morsure, pistolet à eau et cumule d'eau. Voilà, et ça rime. C'est bien merveilleux. Hein, Pikachu? Toujours aussi heureux. Du coup, on va se retirer Topiqueur parce qu'il va nous falloir la CS coupe pour faire 2-3 trucs. Donc on va se le retirer tout de suite, tant qu'on y pense. PC de Léo, Doudoum, Bloom, on va faire un peu de ménage d'ailleurs. Retirer Topiqueur. On va stocker des objets aussi qui ne servent à rien. Parce que dans le repère, la Team Rocket va y avoir pas mal de d'objets récupérés. On va rejeter des trucs, tout ça de chiant. Alors, stocker objets. Canne, on stocke. Oui, ça ne sert à rien. 24, on la garde pour plus tard. On stocke. C'est tonnerre. Ensuite, rappel de. Oh, c'est bon, bah, on est pas trop mal. Donc voilà, donc on va faire un petit tour vite fait. J'ai pas trop traîné dans les endroits inutiles. Le jeu, j'ai déjà fait version rouge, version vert feuille. Donc du coup, j'ai pas trop m'attarder sur les personnages. On va aller direct dans le vif du sujet. Et on va chercher Voli. Voilà, déjà, ce sera une bonne chose de fait. C'est important. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il se trouve derrière et pas devant. Donc voilà, il y a ici qu'on passait devant, il y a plein de gens de dialogue machin, les développeurs du jeu, le Pokédex a montré à la fin du jeu. Voilà ici. Et voilà, on s'en fout, parce que ça nous apporte rien. Nous on va là, on va chercher vos livres, voir le gros monsieur. Je sais tout sur le monde des Pokémon et sur ta bite, Game Boy. Fais beaucoup d'échanges avec tes amis. Voilà. Hein. Bon, sur ce. Et hop là. Ok, elle est. Voulez-vous donner un surnom à Voli? Non. Et voilà. On a un Evoli niveau 25. Bon, je pense pas qu'on l'utilise, hein, honnêtement. Parce que voilà, c'est évolué en plus. Bon, on fera évoluer pour avoir du plus de chiffres dans le Pokédex. Ça peut servir quand t'es les assistants du prof chaîne. Donc voilà. Maintenant, c'est pas fini. Il y a plein de choses à faire dans cette ville qui est pleine de trésors. Merveilleux. Toulou. Non. On va aller faire du shopping parce que c'est intéressant. Là, c'est le devant du manoir. Manoir, c'est là dedans. Voilà, c'est un pot, c'est comme ça. Donc, on va faire du shopping. Hop là, on va aller à cet étage. Non, oui, dans cet épisode, on va faire un peu de shopping. Et on va. D'ailleurs, j'ai acheté des trucs. J'ai acheté. Non, ça, c'est des 7 ans, on s'en fout. Un peu de shopping et la Team Rocket. L'arène, on la fera plus tard parce que ça va faire un épisode méga long. On prend 2-3 Super Balls au cas où. Je tombe sur un truc de ouf. Super Potion. Oui. Et puis ça ira très bien. On a pris des petites bases là. Hop, on avait déjà plein de Super Potions. Mais bon. Moi, on prévenir que guérir. Hein. Lui, il va nous faire les ripostes. Ah, j'ai fini le Pokémon. Pas toi. T'es quel con. Bon, prends donc ceci, petit. C'était 18. C'était 18, riposte. Bon, allez, bonne chance. C'est-à-dire, ça casse-toi. Donc là, il y a des petits connards qui jouent à la Super Nintendo. Ils ont bien de la chance. Et ils font des échanges. Il y a un Gravalanche qui va évoluer. Cool, un Gravalanche. J'adore les Gravalanches. Hein, oh, de cas. Hein. Ah, oh, bah, ça perd l'hippopète. Gravalanche transforme notre Pokémon. Ah là là. Il passe l'entendement. Du coup, là, on a les pierres. Du coup, on va faire évoluer Evoli, tiens. On va prendre une pierre foudre. On va pas le mettre dans l'équipe. Mais, c'est que j'aime. En fait, j'aime bien le sprite de Voltali dans cette version. Du coup, je vais vous le montrer. Voilà. Je veux dire, on le prend pas dans l'équipe, hein, Voltali, de toute façon. Hop. Doudoum. Hein, Evoli évolue. Vous allez voir qu'il a un super sprite. Je trouve qu'il est magnifique, le sprite de Voltali dans cette version. Il est pète la classe. Regardez-moi ça, il est trop classe, il est trop stylé. Swag de poule, tout ce que vous voulez. C'est un thug. Je parle comme les jeunes, c'est déjà démodé. Putain de merde. Pikachu, aide-moi.
T'en as rien à branler, tu m'écoutes pas. Ouais, j'en ai marre. Bon. Lui là, qu'est-ce qu'il... Ah oui, ils vendent les produits dopants, les calcium, les protéines, on verra plus tard. Et là, le plus intéressant, c'est ici. Pourquoi? Ma soeur est dresseur, tu crois ça? Mais c'est une petite peste. Elle m'agace. Du coup, n'ai soif, veux boire. Alors, ok, alors, à nous faire chier. Donc, on va prendre une boisson de chaque. Nos fraîches. Il nous donnera. On lui donne, elle nous donnera laser glace. Ensuite, moi je connais par cœur. Hein. Soda cool. Et hop, soda cool. Elle nous donnera éboulement. Et après, c'est triple attaque, si je me souviens bien. Et on va se prendre une eau fraîche pour le connard de gardien qui peut nous faire passer. Et voilà. Donc, c'est des objets aussi qui redonnent de la life. Hein. À nos Pokémon. Eau fraîche, ouais ouais. De l'eau. Eh c'est cool. Eh tiens, c'est pour toi. C'est des 13, une des meilleures cités du jeu. Si ce n'est la meilleure. Laser glace. Cette attaque pourra geler l'ennemi. Et boire. Quelle descente. Soda cool, merci. Tiens, prends ça. C'était 48. Mais c'est incroyable, l'éboulement. Cette attaque peut faire peur à l'ennemi. Et ensuite, et ça veut boire. Limonade. Ouais, les limonades. Top, top, top. Là pour toi. Voilà, donc du coup, triple attaque. Ok. Donc voilà, ça c'est pour ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant du centre commercial, je crois, cette zone. Donc laser glace, hein, l'attaque. Moi j'aime bien laser glace, un slam ultra laser, j'aime bien, c'est bling bling, ça fait de la lumière, c'est des rayons, c'est des. J'aime bien, voilà. Et oui, il y a un Carabas sans laser glace, enfin un Tortank sans laser glace, c'est pas un Tortank pour moi dans cette version. Voilà. Alors on va prendre éboulement à Onyx. Apprendre éboulement à un Pokémon, oui. Alors, on va virer jet de pierre, parce que c'est la même attaque en plus forte. Bah avec moins de PP, certes, mais bon. Parce qu'on va le plus utiliser non plus. Hop là. Ok, bah on est parti. On va aller chercher la 16 vols maintenant. Tout simplement. On trace, on trace. Mais j'ai pas envie que l'épisode de traîne trop. Parce que ça va être galère. Donc voilà quoi. Tchon tchon. Non 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 non. Bon, maintenant. Donc là vous allez voir. Il y a le Pokémon. Voilà, il bloque le chemin. Un grand Pokémon endormi bloque le chemin. Oh non, c'est emmerdant. On n'y arrivera jamais, Pikachu. Alors coupe. Donc vol, je sais pas quel Pokémon nous on va prendre, mais vol, en fait on peut faire le jeu sans vol. Mais c'est galère. C'est pas comme Surf, Force ou Coupe qui sont indispensables pour avancer. Mais Flash et Vol, c'est pas indispensable, mais bon. Ça fait grandement la vie, donc c'est dur de s'en passer quand même. Avec le jeu est très lent. On va pas se faire chier. Hein. On va voir si on peut trouver un Pokémon oiseau sympa. Pour peut-être qu'on changera, on verra. Ça pourrait nous aider aussi pour l'arène, parce qu'on a rien. L'arène c'est à deux points. Ah, deux duos. Oh, au niveau 26, il est craqué. Bon, un petit plaquage des familles. Oh là là, il m'a fait peur. Du coup, ça peut être pas mal. En plus, il peut prendre vol. Il a pas d'aile, mais il peut prendre vol. Alors que Dracaufeu, dans la version rouge et bleue, il y a des ailes, il était type vol, il pouvait pas voler. Ben, ça a été corrigé dans la version jaune, justement. Du coup, on va voir. Jamais trop de tests d'audio et d'audrio, donc pourquoi pas. Donc, on pourra lui apprendre triple attaque. J'ai de la chasse en plus niveau 26, il est déjà balèze quoi. En fait, le Dodio est transféré sur le Pokédex. C'est incroyable. Dioiseau. Ses petites ailes lui permettent pas de voler. Mais il peut courir très rapidement. Non. C'est nickel. Pikachu. Ah, le check. Du coup, qu'est-ce qu'il a de beau ce Dodio? Là il est pas mal en plus. Ok, bon, on lui apprendra vol. Je crois qu'il peut apprendre triple attaque, on va voir. Normalement Dodrio parce qu'il a 3 têtes, donc triple attaque, 3 têtes quoi. Normalement triple attaque ça fait une attaque feu, une attaque glace et une attaque électrique. Mais bon dans cette version je sais plus, ça fait un triangle je crois. Et il apprend, c'est parfait. Est-ce qu'il peut apprendre autre chose? Riposte. C'est pas terrible ça. C'est quand il se prend un coup.
Carabaf, ouais, bon, faisons les boss, on le jettera quand on aura plus de place. Ça m'étonnerait même pas. Comment tu es arrivé jusqu'ici? Putain, j'étais en train de me pignoler tout seul et puis il m'a emmerdé, mais ça le gêne, là, ce mec est quand même. C'est emmerdant. En plus, il y a une petite fille qui vit toute seule avec un. Hein. Rapace de pique, bon, quand même, à cause des fins. Oh, tu as trouvé ma cachette secrète. Prends ceci en échange. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je fais des cams ici, ok? Vol. Elle vous permet de revenir dans une ville. Bien pratique, j'avoue. Du coup, on va s'en servir tout de suite. On va la prendre à Dojo. Alors voilà. Voilà. Mais j'aime bien, il n'y a pas de logique. C'est à prendre vol. Mais Dojo ne peut plus rien apprendre. Il est trop con. Il a deux têtes, mais voilà quoi. Tout le tout. Hop, Dojo vol. Et on va aller, pas pour palette. C'est la deux poils, voilà. Faut que ça va plus vite comme ça. Ça facilite grandement la vie. On peut pas s'en passer. On est obligé d'avoir un Pokémon oiseau. Alors maintenant, dans une nouvelle version, c'est aussi l'avantage. C'est que, voilà, on peut faire des équipes un peu plus sympas. On est pas obligé de se prendre un Pokémon oiseau, forcément, si on en a pas envie. Bon, bon, ça va aussi le charme de ces vieilles versions. Moi, j'aime bien. Et puis il va nous aider Dojo dans l'arène parce qu'on a rien. Il n'y a pas de type feu, ni psy, ni insectes. Voilà, parce que bon, ils sont souvent pleins de poison. Donc voilà. Du coup, on va poser la 16 vol tout de suite parce qu'il ne sert plus à rien. Alors. Stocker objet. C'était 18. A été stocké. Parfait. Ok. On va voir si on peut lui donner tout de suite à la boisson. Je suis curieux. Ouais, il va durer longtemps cet épisode. Encore je le trace, mais je crois qu'on peut y aller direct à Safrania. Ce que j'ai soif, c'est dingue. Hein, tu me donnes à boire. Dingue. Merci, petit. Glorp, 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 glorp. Glorp. Si tu veux aller à Safrania, glorp. Si tu peux passer, t'inquiète pas pour les autres gardiens. Pour les autres gardiens, ils vont aller se faire foutre. Moi, j'ai à boire. Et on peut aller à Safrania. Mais je crois qu'on peut pas faire le le truc tout de suite, quoi. Et aussi à Team Rocket, à Safrania, c'est n'importe quoi. Entre méchants, c'est mieux que de se laver les dents. Ok, d'accord. Ok, ok. Là, c'est bloqué, on peut pas y aller tout de suite. Moi, je suis un garde. Les nabos, Toulouse, moi, je laisse pas passer. Ok, ok. Donc voilà. Et là, normalement, le truc de Monsieur Psy, on ira plus tard. Parce que là, on a pas de Pokémon Psy. On peut pas s'encombrer d'une CT, la restocker, bref. Mais on peut y aller. Ça, c'est cool. Genre, si on peut pas faire le dojo, d'ailleurs, là. Je crois que c'est bloqué. On va voir ça. Tiens. Tiens, non, non. Ah non, on peut se le faire. Ouais, mais il y a des niveaux, je crois, 30 et tout. Laisse tomber, quoi. J'ai pas envie de me faire... J'ai envie de tenter. Je fais vraiment pas dans l'ordre aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Mais à mon avis, on va douiller. On va essayer. Mais à mon avis, on va douiller. Aïe! Tu joues avec ta vie, petit. Notre dojo, c'est pour les balèzes. Bah, je crois qu'on va douiller. Je crois qu'ils sont vraiment forts. On va douiller. Après, écoutez, ça peut nous préparer pour le reste du jeu. Comme quoi, vous voyez ça, c'est... Oh, 31, il est vraiment fort. Hein. On va essayer avec vol. Mais là, regardez, ils sont bien au-dessus. Hein. Ça va être galère. Hein. Regardez, je pense qu'on va se prendre des sacrés coups dans la tronche. Donc, je pense qu'on va essayer de se faire ce combat au moins. Mais faut pas rêver là. Et c'était juste pour faire voir que voilà, on pouvait faire Safrania, un bout de Safrania, avancer la Dopol et Parmenie quoi. On peut même aller à Croix Moisie là quand on a surf après. Bon, ouais, normalement. Ok, Ferro-Singe, il n'y a pas trop de force. Enfin, de défense, donc peut-être qu'il peut faire one shot. Voilà, par contre, il va me faire mal s'il me frappe lui. Ouais, il a une défense de merde sur Ferro-Singe. Ça pourrait être marrant d'avoir genre Kikli ou Taignon avec nous tout de suite. Ça pourrait être utile. Tiens, il s'envole.
C'est incroyable. Colossinge, à mon avis, il devrait avoir de la résistance. Bon, il fait que se cheater, en fait. Oh, il y a peut-être moyen de se la faire, la reine. Parce qu'on sera la Team Rocket dans le prochain épisode. Hein. Ça peut être rigolo. On va essayer, allez, un peu de challenge. Ping, je suis KO. Les meilleurs combattants sont ici. On va soigner. Bah, Dodio, il va bien nous servir. Hein. Mais en fait, c'était comme une arène de type combat, sauf que tu gagnais un Pokémon à la fin, quoi. C'était cool. Bon, à mon avis, ça va être galère, hein, mais bon. Après, on a on a beaucoup de monde dans l'équipe, donc il y a moyen de faire quelque chose. T'as des prétentions? Montre-moi. Il y a moyen de se faire quelque chose. Je suis chaud. Je tente des choses pas dans l'ordre, là. Mais c'est amusant. Comme ça, on pourra avoir un Pokémon de combat avec nous, ça peut nous aider. Je dis pas qu'on le gardera, mais... Quoique, si on pouvait choper Tainion, il pourra avoir Point de Feu. Il apprend assez vite, je crois, et pour l'arène, ça pourrait être bien. Ce qui est vraiment dur, l'arène de Céladopole, hein. Et surtout dans la version jaune. Elle a pas Flaiseon ni Ampliflore, mais sorti des Boostiflore et Sacnum, mais ils sont vraiment plus forts. Enfin, des niveaux plus élevés, ils sont vachement plus forts. Donc, ça va pas être facile. C'est bien d'audio, tu gères. Machopper. On va essayer de le faire. Voilà, même avant l'avant-vilain, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça va nous faire XP. Pas grave, puis on va tourner un peu, il y aura pas que d'audio là qui va combattre. Ça c'est bien, ils passent leur temps à booster leur Pokémon et pas attaquer, donc d'un côté, vous savez. C'est assez pratique. Tantan. C'est cool. On se fait l'arène, c'est génial. Nya, t'es fort. Notre maître est un costaud. Par contre, pour vol, j'ai plus rien à voir. Onyx, il fera pas le café ici. Attendez, je peux peut-être éviter un combat. Oh putain, non. Oh non, c'est bien fait. Stop. Pas de chaussures ici. Ok, il nous a vu. Putain, j'essaie de faire le filou. Le coquinou, mais il m'a vu. Oh là, 3 Pokémon. La fière singe sont nuls, ça va. Franchement. Allez, 6. Ça va être chaud. Oh putain, ils font mal. Il fait mal. Oh là là, j'étais arrogant. T'as lui, il attaque direct. Il se booste pas. Fait chier. Ah, ça va one shot. On va changer. Je pense. Appeler Ferro-Singe. On va mettre un peu Carabaf. Il y a une différence de niveau, mais. Ah, ça va faire un bon entraînement comme ça. Parce que normalement c'est une ville qu'on se tape après par manie, donc on est censé être au-dessus du niveau 40. Hein. Avec Carabaf, normalement t'as une petite défense quand même. Ouais, ça va. Bonne petite défense quoi. Ah, ça c'est chiant. Eh bien écoutez, c'est la première fois que je fais ça dans cet ordre là, mais... C'est assez rigolo. Colossinge. Bon, on va bombarder laser glace. Hein. Par contre, je sais pas qui prendre. Kikli ou Tainion. Ça, c'est le gros suspense. C'est le gros choix décisif. Après, Tainion, je prendrais bien pour qu'il mette dans l'arène avec son point de feu. C'est surtout ça, quoi. Ta merde, j'aurais dû mettre une potion max. Ouais, dope-toi, c'est très bien. Oh, fais chier. Il va faire mal, là. Oh, ça va. Mais bon, si ça dure trop longtemps, c'est chiant, ça va. Après, c'est pratique, tout, il a les 3 points. Du coup, ça peut bien aider. Parce qu'après les types combat, bah, y a pas trop de... Ils sont pas super utiles dans cette génération. Putain. Et voilà. Bon bah c'est pas évident. Hein. Du coup, bah, notre ami Pikachu, il va faire le café.
Voilà, je vais voir qui c'est le patron. Voilà, au revoir. C'est des rappels, c'est fait pour. Allez, Pikachu, mon niveau 34, c'est parfait. Oh, tu m'as éclaté. Tu te tais, tu t'assois et tu attends le grand maître. Non. Donc, super potion pour Dodio. Alors, si c'était Carabaf. J'ai des rappels. Ouais, j'en ai 10. On devrait gérer, ça en fait tourner, tout ça. Il y en a, ils font les tanks, genre. Topicker, Rolten et Onyx font les tanks. Et puis voilà. Enfin, Onyx, il devrait se faire éclater, hélas. Son petit proche, c'est pas bon. Tiens, non, non, non. Oh putain, on l'a esquivé. Petit faibleur. Je suis le grand maître de karaté. Je suis le champion. Tu me provoques, tu te battes, tu cherches le contact. Yeah. Ok, calme-toi. Alors là, on est 37. Oh putain, on est dans la merde les gens. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, là c'est très fort. On va galérer. Il gagne en force. Ah non, mais Dodio, c'est pas le moment de louper tes attaques là. Ah, c'est pas bon. Ok, il est fort Kikli quand même. Hein. J'hésite aussi à prendre Kikli. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Il a pas jet de sable. Si on peut l'emmerder avec jet de sable. On va rappeler Dodio. Oh putain. Ah, après c'est vrai que Kikli est super fort. Hein. Franchement, il est beaucoup plus fort que Ténion, je trouve. Kikli, je me tâte. Un petit jet de sable. Putain, ça va démolir. Oh putain, il est trop fort. Ah, Kikli, il est vraiment puissant, quoi. On est déjà dans la merde. Bonjour. Putain, ma Moshigiri. Oh là 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 là, ça fait mal. Ok. Je paye mon arrogance. Vraiment. Lui, il va pas tenir. Faut pas rêver, hein. Là, je pensais pas que c'était aussi haut niveau, franchement. Ça nous fera une leçon. Mais Onyx, il peut pas tenir avec ça. On va ressusciter. Si on peut re-soigner bien Pikachu, ça serait pratique. Ce serait bien que Carabaf tienne. Ça va être galère. Hein. T'as la différence de niveau. Il y a 10 niveaux, 11 niveaux dans les dents, quoi. Ah, le Kikli est puissant. Franchement, il ferait pas de mal chez nous. Hein. On va se faire éclater la gueule, les gens. Allez, Dodio, on compte sur toi. Bon, si tu loupes ton attaque, c'est chiant, quoi. Putain, putain. Oh, ouais, merde, on l'a dans le cul. Hey Pikachu, je compte sur toi. On va se prendre. Mais j'ai envie de persister, moi. Vous savez, je suis têtu. Oh ouais. Putain, c'est chaud. Bah de toute façon, j'ai plus de Pokémon. Comment on va faire? Normalement, il devrait être moins redoutable. On va le paralyser. Et Kikli, il est vraiment fort. Je retire ce que j'ai dit et je voulais Taignon, mais Kikli, voilà quoi. Bon, Pikachu, par contre, tu fais le café là, tu es vraiment le héros du jeu. Franchement, pouce bleu pour Pikachu. Ouais, point comète, c'est nul, ouais, c'est vrai. Oh, prendre Kikli, hein, on s'en déconne. Vu comment il m'a impressionné là, Kikli, sur ce coup là. Stop, tu m'as battu, j'ai honte. Ok, tu as gagné. Mais ne va pas le crier sur tous les toits. T'es très fort. On a compris.
Tiens, prends ça, tu vas gagner un Pokémon. Choisis celui que tu veux. Tu as mis Pikachu, je te chèque. Franchement, les gens, pouce bleu pour Pikachu et dites-lui bravo dans les commentaires. Parce que là, comment il a sauvé le game à lui tout seul. Du coup, bah on n'hésite pas là, vu comment il nous a fait flipper, qu'il clique, il est stylé en plus dans ce sprite. Tu veux qu'il clique le Pokémon coup de latteur? Nickel. Voulez-vous donner un surnom à Kikli? Non. Plus de place pour un Pokémon. Kikli est transféré à la boîte du PC. Ok. C'est cool. Bon. Ça sera un épisode préparatif. Bouge de là. On se balade, on fait n'importe quoi. On respecte pas le jeu, on le fait pas dans l'ordre. Tu veux marcher sur le pied, non? Bah, je vais te faire foutre. Je croyais qu'il y a un mec avec un roux carnage. Putain, c'était tendu ce combat. Oh là là! J'étais pas serein. Du coup, en fait, j'aurais presque envie de me faire l'arène. C'est là de Paul maintenant et de me faire la Team Rocket après. On va voir ça. Je crois qu'il est niveau 30 qui clie en plus. Il nous ferait une sacrée équipe. Bon, j'irai chercher la CT Psycho plus tard parce que j'ai rien comme Pokémon qui peut apprendre de Psycho. Tchon, 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 tchon. On va se soigner. Putain, c'était tendu. Truc de fou, quoi. Tchou, 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 tchou. Merci, vos Pokémon dans la super pêche. A tout bien. Ça marche. Du coup... Oh bon, en plus on peut lui apprendre riposte. Je sais pas si on s'en servira, mais... Du coup, Voltali, on te stocke. Ah, Kikli niveau 30, quoi. Ça, c'est fort. Je suis sûr qu'il va bien pouvoir nous aider. Ouais, il est balèze, quand même. On va lui apprendre... Je l'ai pas déposé la CS2, je crois que j'avais fait. Je crois que j'étais venu pour ça. Alors, PC de Vince, machin. Mais si on se faisait la reine maintenant, on a peut-être moyen de se la faire là. CS1, CS machin, 18. Hop, riposte. Prendre riposte à un Pokémon, oui. Il est chaud, Kikli. Hop, ça fait une équipe un peu chelou. J'aime bien, c'est rigolo. Elle est couillue, cette équipe. Du coup, tchon, tchon, non, non, non. Ah, du coup, on a les boîtes casino machin à faire. Ah, je me tâte. Ça va être un peu long sans se faire l'arène. On va chercher la boîte casino, le boîte jeton machin. Et on va se faire tout ça plus tard parce que ça va être tendu. Normalement, la boîte jeton est là-bas. Je crois que je tournerai direct à la suite. Mais là déjà c'est pas mal tout ce qu'on a fait. C'est vraiment du shopping à celle-là de Paul. Et il est là le mec qui donne la boîte de jetons. Vas-y rigole. J'ai plus une thune. C'est marrant hein. Je te l'ai. Prends ça, tiens, et surtout perds tout ton blé. C'est pas gentil. Faut que je me refasse. Pas de soucis mec. Bon. Maintenant qu'on a récupéré tout ce qu'il faut, je pense qu'on va se mettre devant notre centre Pokémon, notre faire blabla habituel. On va terminer l'épisode là, parce que c'est passé pas mal de trucs. J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs, je veux que ça soit regardable quoi. Hop, j'aime bien mettre comme ça, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour Pikachu, pour le Kikli, tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà, le partager, mettez la petite cochette, petite clochette. Vos commentaires, vos conseils, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.